accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible. Toutes mes condoléances pour votre fils. J'ai toujours su qu'il était homosexuel. Mais ça, ça m'était égal. Ils attendaient un enfant? La mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita Van de Velde. Elle vit à Gand, elle est une petite fille de 9 ans. Rita Van de Velde. Not comprendre, nage, nicht. Et elles vendent des vélos, c'est tout ce que t'as sur elle. Bonsoir. Je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non, mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale. Comme moi, non, je crois pas, non. Pas comme moi, non. Non, non, ce que je veux dire. Non, je devais toucher la moitié du cash au deuxième trimestre, et puis le reste à la naissance. Là, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser, ça, c'est cadeau. Maman, il y a Steve de la Dure qui revient. Mais c'est pas vrai, faut vous le dire comment, là? Je veux juste savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi. Il était moins relou que vous. Vous voulez écouter le cœur? Vous allez l'élever chez vos parents? Je la mettrai à adoption, j'ai pas le choix. On peut pas abandonner cet enfant, enfin, il a des parents. Ah non, justement, non. On trouverait à travers cet enfant un lien avec nos fils. Mais moi, je me souviens, c'est quoi une nuit avec un enfant? À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre. Faut passer à autre chose, papa. C'est ma petite fille. Je ne lâcherai pas. C'est comme ça.